droit dans ses bottes, comme il s'est toujours défini, Paul Kessagné a tenu à dénoncer les travers qui entachent déjà ce scrutin auquel il est lui-même candidat. L'ancien numéro 14 des Panthères du Gabon estime qu'il existe plusieurs violations du principe de légalité consécutive à la convocation du collège électoral au fin d'élire le prochain président du comité exécutif de la Ligue de football de l'Estuaire. L'élection du COMETS, avant la fin du mandat du bureau sortant, élu le 29 juillet 2017, n'est pas encore échue. Sur un second point, le COMETS a mis en place une commission électorale en se basant sur le code électoral de la Ligue de football, tandis que cela relève du Congrès. Le code électoral doit s'arrimer au statut. On ne peut pas donner des attributions au COMEX que le Congrès a déjà prévues. Pour Kessagné, la convocation de cette élection ne pose aucun problème toutefois. Les organes décideurs de ce processus violent le principe de légalité, eu égard au cadre légal applicable en matière électorale, notamment ceux de la Ligue de football de l'SUL et de la Fédération camerounaise de football. Considérant les cadres statutaires existants, je déplore avec fermeté la violence flagrante du principe de légalité que la production de cette convocation élective engendre. Des révélations qui interviennent alors que l'élection du comité exécutif de la Ligue de football de l'SUL est prévue pour le 26 juin 2021. Désormais, les regards sont tournés vers les organes décideurs.